Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une édition un peu spéciale de notre nouvelle émission La Chaise. Nous sommes au camping du Boucan Ouest à Vias Plage, donc avec le centre social Tout Couleur et avec vous Mohamed Meshmash. Donc beaucoup vous connaissent déjà sur le territoire de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil et même partout un peu dans les quartiers. Mais si vous deviez vous présenter, comment le feriez-vous? Alors, je me présenterai en tant que déjà Mohamed Meshmash, en tant que citoyen, voilà, militant associatif, travailleur social et cofondateur du collectif Assez le Feu, cofondateur de l'association Tout Couleur et cofondateur d'une structure qui est sur un niveau réseau national. La coordination nationale Passons-nous, je suis président de la coordination. Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement du collectif Assez Peu, du centre social Tout Couleur? Comment est née cette association, ce collectif, et comment il a fait pour perdurer dans le temps? Alors, si on repartait un petit peu de l'histoire, on repart de l'histoire d'Assez le Feu. Assez le Feu, il est né en 2005, après la mort de Ziad Emouna et en Aram. Et on a créé ce collectif pour apporter une réponse à ce malaise social. Suite aux révoltes sociales, il fallait absolument une réponse sociale aussi. Et la meilleure manière, c'était de se dire qu'il faut qu'on devienne acteur et auteur de nos vies et non pas subir des politiques qui malheureusement ne sont pas du tout faites pour améliorer notre quotidien, mais malheureusement elles entretiennent nos situations et notre injustice dans les quartiers populaires et toutes ces inégalités qui existent. Donc notre démarche à nous était tout simplement de travailler autour de l'interpellation, de travailler autour effectivement d'une réponse politique, de dire que ce qui s'était passé en 2005 n'était pas juste une émeute, comme certains ont voulu le qualifier, mais bien des révoltes sociales, que derrière il y avait des messages et qu'il y avait un vrai message politique à travers la construction de ce collectif Assez le Feu. Donc une fois qu'est né ce collectif, on a tout simplement décidé de redonner la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Donc la création du collectif a été déjà de réveiller des consciences, travailler autour de la citoyenneté, inscription sur des listes électorales, inciter les gens à aller voter pour avoir une politique choisie, non plus suivie, travailler autour d'un Tour de France, sur des cahiers de doléances. Suite à tous les problèmes qu'on a rencontrés, c'était de redonner la parole à ceux qui les vivent et qui, mieux qu'eux, sont en capacité d'apporter aussi des réponses et des solutions. Ce qui s'est fait, 6 mois de Tour de France, plus de 200 000 doléances, 20 000 doléances traitées, ce qui correspond à 130 propositions, mieux qu'un programme politique, à qui on a voulu remettre ça à l'Assemblée nationale, à l'ensemble de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés, droite ou de gauche confondus. Mais malheureusement, encore une fois, la stupidité de nos responsables politiques n'ont pas été en capacité de nous recevoir tout simplement dans une hémicycle où on voulait s'adresser à l'ensemble des responsables politiques. Donc on a tout simplement continué notre chemin et on a décidé aussi, puisque nous sommes nés localement à Clichy-sous-Bois, de rester localement à Clichy-sous-Bois et de partir des doléances des Clichois pour travailler autour d'une approche locale, au plus proche des habitants et de remettre au cœur des habitants, les habitants au cœur de la politique publique des politiques. Et comment ça se concrétise concrètement ce projet au niveau local? En partant tout simplement des demandes, des cahiers de doléances des habitants. Ce qu'eux demandaient, ce qu'eux recherchaient, ce qu'eux proposaient comme solution pour améliorer leur quotidien. Okay. Donc on s'est appuyé sur ces cahiers de doléances pour tout simplement localement devenir une association locale aussi. Okay. Du coup, ça tombe bien parce que ça fait, je crois, la 12e édition que vous organisez. Le projet Oxygène, pardon. D'où vient ce projet et comment il est né et comment, encore une fois, vous avez fait pour le faire perdurer dans le temps, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir tous les ans organiser ce type de séjour pour les familles clichoises. Alors, ça tombe très bien parce que du coup, effectivement, Assez le Feu a porté énormément de projets autour de la parentalité, autour du soutien scolaire, autour de la citoyenneté. Et en l'occurrence, on a travaillé aussi autour du socle familial. Donc le projet Oxygène est un projet qui a été porté collectivement, écrit effectivement par M. Youssef Bouzidi,
qui lui nous a permis effectivement de le mettre en forme. Et on a tout simplement décidé de se permettre tout simplement de travailler cette question-là autour de la parentalité, mais différemment. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail qui est fait pendant toute l'année, localement, avec des familles, sur du droit commun, sur de l'accompagnement administratif, sur des ateliers cuisine, ateliers scolaires, sur des cafés-débats, sur la possibilité de travailler avec des jeunes, sur des projets de citoyenneté. Et on se disait qu'il serait peut-être bien d'avoir un séjour de rupture, c'est-à-dire tout simplement permettre à ces familles qui, malheureusement, des familles modestes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances, de leur dire que les vacances, c'est aussi un droit. Et de partir, s'oxygéner, ailleurs que dans le quartier, et de permettre à 18 familles, entre 18 et 20 familles, de pouvoir en bénéficier. Et sur place, on continue à travailler tout ce qu'on fait sur le quartier, mais différemment, dans un autre cadre de vie, et en permettant à ces familles de passer un peu plus de temps avec leur famille, et tout simplement solidifier un peu ce choc familial qui se perd malheureusement. Du coup, je vais encore rester sur le projet Oxygène. Que faites-vous vraiment et concrètement avec ces familles? C'est quoi le programme pour ces familles une fois qu'elles arrivent ici dans le camping? Alors, encore une fois, nous, on n'est pas un tour opérateur. On est vraiment une association qui travaille sur un projet, sur du long terme. Il y a l'avant, l'après. Il y a l'avant, je veux dire, le pendant et l'après. C'est-à-dire qu'en gros, c'est sur trois étapes. Donc l'avant, c'est toute la rencontre qu'il y a avec les familles, toutes ces personnes qu'on croise, avec qui on discute, qui viennent pousser la porte de l'association, qui aujourd'hui leur permet tout simplement de retrouver quelques réponses à leurs questions. Ensuite, il y a le pendant, c'est toutes ces rencontres qu'on met en place avec eux, c'est-à-dire les cafés-débats, les rencontres, les ateliers. Et une fois qu'on est sur place, on continue à travailler ça, et ça nous permet de travailler sur les difficultés des familles, de bien cibler, de retisser une relation de confiance beaucoup plus importante entre eux et nous, ainsi que les jeunes et nous. Et en rentrant, on continue à travailler ces projets pour les accompagner soit sur de l'insertion professionnelle, soit sur du soutien scolaire, soit sur des ateliers, soit sur des parcours administratifs. Donc tout ça nous permet de travailler tous ces points-là, qui sont tout simplement un travail sur du long terme. Quoi. Okay. Du coup, nous sommes sur la 12e édition du projet Oxygène. Je tiens à le rappeler aussi parce que c'est aussi une manière pour nous de vous rendre hommage, parce que ce n'est pas non plus donné à tout le monde. Et du coup, laquelle de ces 12 éditions vous a le plus marqué? Alors, pour arriver à mettre en place ce projet, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'investissement humain, de bénévoles, de moyens financiers. Donc, qui dit tout un travail en amont. Et il faut convaincre des partenaires que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est quelque chose d'utile. C'est de se débrouiller, de trouver la logistique qui vont avec pour pouvoir organiser ce type de séjour. C'est de trouver les financements. C'est de trouver des bénévoles qui sont en capacité de prendre des congés sur leur temps propre, des fois même d'abandonner leur propre famille pour accompagner d'autres familles. Et ça, ça n'a pas de prix. Et on a la chance, depuis la création du collectif Assez le Feu, d'avoir autant de bénévoles qui aujourd'hui participent à nos actions. Et ce qui fait en sorte qu'on peut les mettre en place. Donc les meilleurs souvenirs, ça sera le premier, première expérience. C'est là où effectivement on est parti à l'arrache. On a tout simplement essayé de faire au mieux. Donc ça a été pour nous cette expérience, hein, une forme de laboratoire. Et ce qui a permis en fait à toutes ces familles qui sont parties avec nous de pouvoir nous rendre compte de leur témoignage que ce qu'on faisait était utile, était important et qu'il fallait continuer. Donc un des meilleurs souvenirs, je dirais, c'est le premier. Mais en même temps, je ne voudrais pas hiérarchiser, ouais. Parce que ça a été tous une super expérience avec des gens formidables, avec des moments aussi difficiles, parce que c'est pas toujours simple, mais aussi des moments de bonheur. Et ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on continue à maintenir ce genre de projet, et on sait qu'il est beaucoup plus utile et important, c'est tout le travail de ces bénévoles qui font, c'est toutes ces familles qui vont, avec qui on voit malheureusement souvent dans le quartier
une certaine tristesse, et quand ils sont là, des sourires, des témoignages de gens qui disent c'est la première fois que je pars en vacances avec mes enfants, c'est la première fois que je vois la mer, c'est la première fois que je me retrouve vraiment assis autour d'une table avec mes enfants pour pouvoir manger correctement et de partager du temps. C'est la première fois que je puisse passer du temps avec ma femme, de parler d'autres choses que des problèmes qu'on a sous le quartier, question de logement, financement, et ainsi de suite. Bah, c'est tout ce bonheur-là que nous, ça nous rebooste pour que l'année d'après, on organise le prochain Oxygène. Okay. On voit aussi que sur les banderoles, il n'y a plus d'inscriptions à ciel-feu, mais plutôt tout couleur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence un peu entre les deux ou comment... Bien sûr. Bien sûr. C'est vrai qu'à Cellefeu, on a beaucoup porté de choses, mais nous étions quand même à la base d'abord une association qui était basée sur l'interpellation. C'est-à-dire que nous sommes en capacité de mener des actes politiques, dans le bon sens du terme, par des actions. Et on l'a beaucoup fait, on a beaucoup été en interpellation. Nous sommes une association qui nous battons sur différentes actions et différentes thématiques. Donc voilà. Et plus on avançait dans le temps, plus on nous demandait des choses. Et plus nous n'avons pas les moyens non plus de pouvoir tout porter. Au moment où on a commencé à tirer le signal d'alarme, parce qu'à ce moment-là, on avait des emplois aidés, on nous a retiré les emplois aidés, et on continue à nous demander de faire beaucoup plus, mais avec moins de personnes. Nous, on a dit stop. Et au moment où on a voulu arrêter, la CAF a vu le travail qu'on a mené. Elle estimait que tout ce qu'on faisait était possible de rentrer, de rentrer et d'avoir un agrément à un centre social, parce qu'on apportait quelque chose de nouveau. On était une association qui innovait. Et ça, c'était quelque chose d'innovant pour eux aussi. Donc, ils nous ont tout simplement proposé de devenir centre social. Nous, on n'a pas voulu, parce qu'on ne voulait surtout pas s'institutionnaliser. On voulait tout simplement rester tel qu'on était à la base, retourner à nos fondamentaux, être dans l'interpellation, mettre en place des actions, répondre à des contraintes politiques quand les responsables politiques ne sont pas à la hauteur. Et c'est ce qui nous intéressait le plus de le faire. Et au moment où la CAF est venue nous trouver, on lui a dit, nous on peut tout simplement travailler sur un autre projet, c'est créer une nouvelle association avec qui on accompagnerait. Donc tout couleur n'est ni plus ni moins un bébé du collectif à Cellefeu. Et ça permettrait à cette association localement de s'installer et de pouvoir, elle, travailler sur ces aspects-là. D'où la naissance de tout couleur.